C'est un projet qui s'intéresse à la résolution d'une question qui revient très souvent, c'est savoir comment concilier la sauvegarde de la biodiversité dans un complexe d'aires protégées et le soutien économique aux populations villageoises qui ont été exclues d'une zone. Pour ce faire, eh bien, le but vraiment du projet, c'est d'arriver à classer cette zone, à faire en sorte que finalement cette zone ne soit plus gérée par l'État, mais soit gérée par les collectivités locales et par les villageois qui peuplent en réalité ou qui bordent la zone dont ils ont été exclus. Alors pour ce faire, eh bien, on va simplement faire un grand état des lieux de savoir, tiens, comment est-ce que le paysage et l'occupation du sol a évolué à travers les années, quelles sont les causes agricoles, socio-économiques, écologiques, politiques même. Et puis l'idée, ça va être de mettre tout cela ensemble pour pouvoir, sur base d'une compréhension très fine de ce qui se passe sur le terrain, eh bien, arriver à développer un plan d'aménagement et de gestion participatif qui implique les collectivités locales dans la gestion d'un espace qui est tout à fait particulier, puisque c'est un couloir de migration des éléphants qui migrent depuis le Burkina Faso en passant par le Ghana jusqu'à la Côte d'Ivoire. Le couloir des éléphants se situe au sud de la ville de Ouagadougou, à peu près à 1 h 30 de voiture, le long de la frontière ghanéenne. C'est un complexe écologique important parce qu'en fait, il sert de migration des éléphants depuis le sud du Burkina. Les éléphants descendent vers le Ghana et puis bifurquent vers la Côte d'Ivoire. Ils font des allers-retours. Donc ce complexe écologique du Ponazi est un lieu central si l'on veut perpétuer la migration des éléphants dans cette zone, sachant qu'il n'y a plus que 600 éléphants qui migrent dans cette partie de l'ouest de l'Afrique. L'originalité de ce projet réside d'abord dans son interdisciplinarité. C'est un projet qui met à contribution plusieurs angles de vue disciplinaires et constituer une base de données scientifiques valide au profit des acteurs locaux qui vont par la suite gérer de façon cohérente et durable cette forêt. Donc la deuxième originalité, c'est bien sûr la place centrale donnée à ces acteurs locaux. On a fait une réunion de concertation avec les deux communes sur lesquelles se trouve le corridor des éléphants. Et cette réunion a réuni, bien évidemment, des représentants des administrations, mais aussi des villageois. Il y avait plus d'une septantaine de personnes. Et ce qui m'a frappé, ça a été la curiosité et la réactivité des populations villageoises à l'égard de notre projet, et surtout, surtout, cette volonté en réalité de crier haut et fort les frustrations dont elles ont fait l'objet, puisqu'elles ont été exclues de la zone. Et j'ai été vraiment frappé par des discours d'une grande détermination, d'un grand calme, mais sans langue de bois, et qui mettait véritablement en cause les autorités communales. Ça m'a frappé. La plus-value de ce projet, c'est déjà cette expérience de collaboration entre université et ONG. C'est une originalité, c'est un apport, et je pense que ça fait deux fois que nous avons présenté le projet au niveau de l'université, et les gens ont apprécié cette ouverture de l'université vers la société civile. Dans le cadre de ce projet, ce qui m'a marqué, c'est véritablement la décision prise par les communes de prendre en main la gouvernance, la gestion de cette forêt, qui est le corridor numéro 1 qui relie les parcs nationaux.